Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Albert Camus de Maurepas. C'est le jour de la restitution du projet de ville baroque. C'est un jour que tout le monde attend, puisque c'est plus qu'une restitution, c'est vraiment un spectacle. Ce spectacle, c'est une façon de rendre tout ce qu'on a fait cette année en un spectacle à nos parents, au public. C'est un projet de création vraiment expérimental qui a été fait avec les élèves de la section. Il y a les élèves de la section 5e qui ont écrit une très belle histoire qui est dansée, chantée et jouée, qui sera une sorte d'introduction. Et également une partie pluridisciplinaire, danse, théâtre, chant, qui sera réalisée par les élèves du 6e des classes baroques. Rico est mort ! Rico est mort ! Mais de quoi tu parles ? Il est mort, je vous dis, il a été tué par un ours ! Non, c'est impossible. On leur a enseigné nos disciplines comme si on avait face à nous de vrais artistes en fait. Apprivoiser la scène, être bien dans son corps, avoir confiance en soi, tenir le regard. Ils vont être vraiment en condition d'être sur une scène de théâtre avec des lumières, ça change tout. Nous avons eu la charge de réaliser un décor dans le cadre du projet baroque du collège. C'est un décor qui a été réalisé par l'ensemble des classes de SECPA avec l'aide d'un intervenant du CMBV en décor baroque. Ça m'a tout de suite intéressé. Moi, quand je vois des jeunes comme ça s'impatienter sur un détail, c'est épatant. On a énormément progressé cette année. On a une certaine fierté en nous parce que ça fait un an qu'on travaille. On les voit grandir. On les voit en septembre et après en juin et on les voit qui se sont épanouis. Tout est là dans leur sourire ou leurs yeux qui pétillent. C'est une grande joie, une grande fierté aussi, parce que c'est un travail quotidien. On peut tous être satisfaits de voir ce qui a été réalisé. Je pense que c'était un projet ambitieux, très ambitieux, qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui. J'ai adoré cette année, c'est nous qui avons fait ce spectacle, qui avons enjoué toutes ces personnes. Merci beaucoup pour nous avoir prêté ces costumes qui sont fabuleux, de nous avoir aidés à apprendre à faire du théâtre, du chant, de la danse, à apprendre le baroque en lui-même en fait. Et bah, merci beaucoup.